Bonjour et bienvenue sur FR3 dans l'émission Jouant à la maison, animée par... Ah non, non, oh là là, excusez-moi, je me suis trompé. C'est vrai que l'émission est tellement triste en ce moment. Et oui, pardon, alors donc c'est bienvenue pour le résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors donc, vous avez droit donc à des applaudissements, donc un peu comme dans les séries des années 80. Il manque plus que les rires. Bon, ça fait penser un petit peu à Friends, sauf que Friends, c'était la série, il y avait un public qui était en, plus ou moins en direct, où c'était enregistré, mais bon, il y avait un public. Mais bon, par contre, dans les années 80, vous aviez des séries avec des applaudissements et puis des rires qui étaient derrière. Donc là, c'est un peu ça. Je trouve qu'avec tout l'argent qu'ils gagnent, ils pourraient prendre un public, comme j'ai dit, de mettre plusieurs personnes donc dans les ronds, là, comme je vous ai dit hier, mais bon, comme j'ai dit, c'est pas moi la prod. Donc, ben, le pauvre Eric, ben, quand je dis pauvre, hein, c'est pas par rapport à ses sous-sous, c'est parce que, ben, il est tout seul, hein, donc voilà, il est arrivé tout seul, tout pono, sans public, sans personne. Bon, ben voilà, donc 821 744 euros à son compteur. Alors, il s'est passé un truc qui était super rigolo, c'est que, il y a un moment, Jean-Luc Reichmann lui a dit « Merci pour votre générosité d'être là. » Attends, il y a un lézard là. Générosité d'être là. Attends, mais à quel niveau générosité? Il vient pas gratos, c'est-à-dire que s'il vient dans le jeu, il vient parce qu'il va gagner des brousoufs. Il vient pas, comment dire, s'il est bloqué pour l'instant à Paris, il est bloqué jusqu'à temps qu'il perde. Donc bon, pour l'instant, ça se trouve, il va rester encore 3-4 mois. Hein. Donc, mais si pour l'instant il est bloqué, c'est pas pour gagner des bananes. Donc quand Jean-Luc Reichmann dit ah bah merci pour votre générosité, non, il n'y a pas de générosité, il vient pour gagner, et puis en plus il gagne des thunes. Là, ça fait en 2 jours, il a gagné 10 patates, donc voilà. Puisque bon, il a gagné 10 000 et 10 000 hier, donc il a partagé avec un téléspectateur, bah, ça lui fait 20 000 divisé par 2, donc 10 000 euros pour 2 jours de tournage. Donc bon, bah, on va dire que ça va, hein, donc le monsieur généreux. Donc voilà. Alors, au coup d'envoi, la première question. Dans l'émission Koh-Lanta, que remporte un candidat qui gagne l'épreuve, qui suit l'épreuve de confort, donc c'était facile, c'était l'immunité. Après, donc, vous aviez Sivan, donc je m'excuse parce que c'était avec un C, et puis il y avait un W. Donc, mais bon, quand j'ai enregistré la vidéo, donc je l'ai fait en direct, donc bah voilà, donc vous verrez.